Bonjour à tous, le champ que je vous parlais que je pouvais pas passer, et bien quelques jours après, là vous voyez, le sol est gelé. Alors j'en profite pour passer. C'est le dernier champ pour les tournesols, là où il y avait de l'eau encore il y a 2-3 jours. Mais avec le sol gelé, ça va tip top. Ça me permet de finir de préparer pour les tournesols. Et on n'aura pas besoin d'utiliser de désherbant. Même si c'est gelé, ça tire un peu plus au tracteur et ça va tip top. Là on va pouvoir vraiment faire un bon boulot sans matraquer la structure et détruire ces régras comme je vous avais dit dans la dernière vidéo du labour. Alors, ce terrain il va être en tournesol. Et après le tournesol, au mois de septembre, on fera du TCS, 2 ou 3 coups de déchaumeur, pour ensuite faire du blé, ça sera fin octobre 2019, on semera le blé. On va faire ce TCS pour pas remettre le régras en surface. Et là, je suis en train d'enfouir les pieds de régras et peut-être quelques graines qui n'ont pas pu germer cet automne, parce que avec la sécheresse qu'il y a eu, ça prenait au mois d'août. Le déchaumage a été efficace qu'au mois de novembre. Et là, on va détruire les quelques régras qui restent. Allez, à bientôt.